les déterminants. Donc, on va commencer par les exercices sur les. Non. Ça m'en fait, hein. Ça marche bien. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, j'ai vidéo en calcul. Je vais fermer ceci. La première matrice, on voulait calculer un déterminant simple. Donc, c'est pas trop compliqué. Je suis en train de faire l'exo 13, exercice 13. D'accord. C'est trop simple, c'est pas trop compliqué. Première matrice, je veux calculer le déterminant de donc 0AB. Donc A0C. Et B0C. D'accord? Donc V, c'est simple. Juste, je développe. Si je développe par rapport à la première ligne, ça va me donner donc c'est 0 fois un déterminant. Ensuite, moins A fois le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc A, B. Je crois que je me suis trompé de 1. Il y a un 0 ici, d'accord. C'est 0 et plus B fois le déterminant. Donc, je supprime. Ici, c'est C. Hein. Ça, c'est C. Donc, plus B fois le déterminant A, 0, C, B. Si je fais le calcul, ça va me donner donc moins A. Je vais multiplier par A fois 0 moins BC, plus donc B fois AC. Donc en tout, ça va me donner 2ABC, d'accord? Et concernant la première matrice. La deuxième, juste une seconde. Question? Je connais le micro. Mais la question des barda. Qu'est-ce que je veux? Je veux calculer maintenant, fait la question B. La deuxième matrice, donc on veut calculer le déterminant de A, B, C, et donc C, A, B, et bien B, C, A. D'accord. Donc pour calculer ce déterminant-là, il fallait remarquer une relation de toutes les lignes, de toutes les colonnes, ça me donne une constante. Donc si je somme toutes les colonnes dans la première colonne, ça me donne donc A plus B plus C. Plus C là, d'accord. Et là, c'est B et C. Et la deuxième aussi, ça me donne A plus B plus C. La troisième aussi, c'est A plus B plus C. Là, c'est A, là, c'est C, là, c'est B, là, c'est A. D'accord. Ensuite, puisque j'ai ici, fais le première. Puisque la première colonne, il y a un coefficient commun à tous les coefficients de la colonne. Donc, je peux dire que ceci, c'est égal donc à A plus B plus C fois le déterminant. Donc, je vais faire sortir ce coefficient commun. Donc, 1, 1. T'es allé, je vais aller, t'as le. Ensuite. Donc B, A, C, C, B, A. Et l'étape suivante, qu'est-ce que je fais là? Donc l'année. L'étape à dire, donc je vais simplifier ce coefficient-là en faisant donc ligne 2
je vais y mettre donc ligne 2 moins ligne 1. Et ligne 3, je vais y mettre ligne 3 moins ligne 1. Ou là plutôt, attendez. Oui, ça marche, ça donne le moins ligne 3 à ligne 1 plutôt. D'accord? Si j'effectue ces deux opérations-là, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ça va me donner. Ou peut-être, non, je sais pas, donc A plus B plus C fois donc 1, B, C. Là j'ai 0, ici 0 aussi. A moins B. Et B moins C. Deuxième ligne et troisième ligne, C moins B et A moins C. Si je calcule maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Si je développe, ça me donne donc c'est égal A plus B plus C. Je développe par rapport à la première colonne, ça me donne donc AB, A moins B plutôt, fois A moins C, moins, plutôt ça sera un plus B moins C au carré. D'accord? Et ça, si je développe un peu, ça va me donner, si je ne me trompe pas, ça va donner A plus B plus C. Et là, c'est fois. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va me donner A carré plus B carré plus C carré moins donc AB moins AC moins BC. Voilà. Et concernant la deuxième matrice. Des questions jusque-là? Dans mon call sailing, jusque-là, information a des problèmes. La matrice suivante, je voulais calculer maintenant le déterminant d'une matrice 4-4. Donc, la matrice, ce déterminant-là. Donc, B, B, donc, au départ, je remarque, nous, par exemple, sur la première colonne, il y a un coefficient commun lié au A. Donc, je peux mettre que ceci, c'est égal à A fois le déterminant obtenu, donc en faisant sortir le A. Donc, lorsque je fais sortir le A, il y aura des 1 sur la première colonne. Donc, je vais mettre la première ligne A, 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 A. En même temps, je vais effectuer une opération, je vais faire ligne 1. Ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1, ligne 4 moins ligne 1. Donc j'aurai l'année 0, 0, 0. D'accord? Et là j'aurai B moins A, B moins A encore, B moins A, et B moins A, B moins A. Ensuite C moins A, C moins A, et C moins A, et finalement D moins A. D'accord? Dans ce déterminant-là, je peux maintenant développer par rapport à cette colonne-là. Donc, garder un seul coefficient non nul, ça me permet de conclure que ce déterminant, finalement, c'est A fois le déterminant de cette sous-matrice-là. D'accord? Mais encore, dans cette sous-matrice, je remarque encore que la première colonne, en fait, elle contient un coefficient commun, donc c'est A moins A fois B moins A, je vais faire sortir le B moins A, fois le déterminant, donc là je vais mettre 1, 1, 1, ici c'est B moins A, B moins A, et encore C moins A, C moins A, C moins A, et D moins A. D'accord? Ensuite, donc quel rate je vais faire des opérations, je vais annuler ces coefficients-là. Donc ceci, c'est égal à A fois B moins A fois. Donc une fois j'effectue la simplification, je vais développer plutôt je vais écrire. Donc anti ligne 1, 0, 0. Je vais faire donc ligne 2 moins ligne 1. Donc C moins A moins B moins A, ça me donne C moins B. Qui fait ça me donne C moins B. Et là encore C moins B. Et D moins B. D'accord? Et là, j'aurai B moins A et B moins A. Maintenant, si je développe par rapport à la première
Par rapport à la première colonne, qu'est-ce que ça va me donner? Donc finalement, ça va me donner A fois B moins A fois donc un petit déterminant lié au C moins B, donc C moins B, C moins B et D moins B. Espérant que j'avais pas fait une faute de calcul. Ensuite, donc elle est Bichardine finalement. Donc ça donne A fois B moins A. Je vais faire sortir ce C moins B en facteur. Et qu'est-ce qui reste? Il va rester ici des 1. Et ce déterminant-là, c'est donc D moins B moins C plus B. Donc finalement, ça me donne c'est A fois B moins A fois C moins B fois D moins C. D'accord? Des questions avant de continuer? Pas de questions, donc je continue. Déterminant lié à la matrice D. Il faut pas un déterminant avec des 1 plus x carré, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le même principe. Donc, je vais établir une relation de récurrence au manège, détermine le D. D'accord? Donc, je vais passer à l'exercice 14. L'exercice 14, j'ai quoi? Donc, il est corrigé déjà ici. Donc, je veux calculer ce déterminant-là. Donc, c'est une matrice de taille n. Qu'est-ce qu'elle contient, cette matrice-là? Elle contient, dans sa diagonale, elle contient des 1. Ensuite, juste au-dessus de la diagonale, il y aura des alphas. Et juste dans le coefficient qui se trouve à la nème ligne et première colonne, il y aura un alpha. Je veux calculer ce déterminant-là. Donc, l'idée, c'était de peut-être développer par rapport à la première colonne. Donc, si je développe par rapport à la première colonne, qu'est-ce que ça me donne? Là, je vais me déplacer rapidement vers la dernière page. Voilà. Donc, si je développe donc ce déterminant-là, donc je vais développer par rapport à la première colonne. Donc, le déterminant de la matrice M, c'est égal donc à 1, puisque le 1, il est dans la première ligne et première colonne. Donc, il y aura un moins en puissance 1 plus 1, allez, ouais, 1. Donc, il y aura 1 fois 1, donc c'est 1 fois le déterminant obtenu en supprimant donc cette ligne-là, la première ligne, et cette colonne-là. D'accord? Rappelez-vous que cette matrice est une matrice de taille n. Donc, si je supprime une ligne et une colonne, je vais obtenir une matrice, une sous-matrice de taille n moins 1, où cette matrice-là, cette sous-matrice-là, elle est triangulaire supérieure. Elle contient des 1 en diagonale. D'accord? Donc le déterminant de n, c'est 1 fois un déterminant triangulaire qui contient des 1 dans la diagonale. Donc je peux le calculer rapidement, c'est le produit des coefficients diagonaux. Plus, donc plus des 0, finalement, le coefficient, il y aura plus. Donc là, pour décider si c'est un plus ou un moins, il suffit juste de calculer le moins 1 puissance n plus 1. D'accord? Donc ça dépend de n en fait. Allez, je le mets ici. Donc plus moins 1 puissance n plus 1 fois ce alpha là et fois le déterminant obtenu en supprimant la première colonne et la dernière ligne. Là, si je supprime cette colonne-là et cette ligne-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens encore une matrice. Cette matrice-là, c'est cette sous-matrice-là de la matrice n. Cette sous-matrice, c'est une matrice de taille n moins 1, encore une autre fois, mais qui est cette fois-ci, qui contient des zéros au-dessus de la diagonale. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, son déterminant, c'est tout simplement le produit. C'est le déterminant. Son déterminant, c'est le produit des coefficients des diagonaux. D'accord? Et du coup, le déterminant de n, c'est tout simplement 1 plus moins 1 puissance n plus 1 fois alpha puissance. Ici, c'est n moins 1. D'accord? Ici, c'est n moins 1. OK? OK? Maintenant, la question suivante, c'était quoi? Est-ce que vous me suivez? C'est toujours là.
La question suivante, c'était au fait déterminer en fonction de alpha le rang de n. Chercher le rang de n en fonction de alpha. Qu'est-ce que j'avais dit au fait? J'avais dit, nous, on remarque que notre matrice M, elle contient une sous-matrice carrée de taille n-1 qui est triangulaire dont les coefficients de la diagonale valent 1. Qui nage dans notre matrice, c'est-à-dire, si je regarde ici, elle contient une sous-matrice, cette sous-matrice-là, liée à cette sous-matrice-là, cette sous-matrice, elle est de taille n-1, où elle contient des 1 diagonales. C'est une matrice triangulaire supérieure de taille n-1 qui contient des 1 diagonale. Donc le rang de cette matrice-là, c'est n-1. D'accord? Donc la matrice M, elle contient une sous-matrice de rang n-1. Donc le rang de la matrice M, il est supérieur ou égal à n-1. D'accord? Donc là, j'ai déduit ici que le rang de la matrice est supérieur à n-1. Donc, puisque le rang de M il est supérieur à n-1, où la matrice elle est de taille n, donc la matrice elle a deux choix. M elle sera de rang n-1 ou elle est de rang n. Et, donc, elle sera de rang n-1. Elle sera de rang n-1 si seulement si elle est non inversible. Donc, si elle est de rang n-1, donc son déterminant il est égal à 0. Donc, quand est-ce que ce déterminant il est égal à 0? Si cette quantité-là elle est égale à 0. Donc, le déterminant de m est vaut 0 si seulement si moins alpha est une racine n-m de l'unité. On peut déduire ceci. Plutôt. Racine Mais c'est l'opposé d'une racine n-m, peut-être. Là, il fallait calculer. Attendez juste, tu dois vérifier. Là, j'ai une matrice de taille n. Voilà. Donc. Ah, attendez. Au fait, je me suis trompé. Au fait, ça, c'est alpha n. Il y avait ce coefficient-là, alpha. D'accord? Donc, là, on a alpha n moins 1. Alpha puissance n moins 1 multiplié par alpha. Donc, c'est alpha n. D'accord? Ce déterminant-là, il vaut 0. Donc, si seulement si, donc je vais écrire ici. Donc, n moins, le plus tôt, il y avait. C'est 1. Donc, 1 plus moins 1 puissance n plus 1 fois alpha puissance n égale à 0. Donc, ça équivaut à dire que 1 égale donc moins 1 puissance n alpha n. D'accord? Donc, c'est égal encore à moins alpha puissance n. Donc, le déterminant de m, il est égal à 0 si seulement si, donc le alpha, c'est une, plutôt le moins alpha, c'est une racine n-m de l'unité. Racine n-m. D'accord? Ben, puisque là, je travaille Attendez une seconde. Là, je suis dans C, donc il y aura n choix. Et du coup, la collection Mouridou m'a juste fait R, donc l'année, il fallait quand même détailler un peu. Donc, le déterminant, il va 0, il vaut 0. Donc, déterminant de A, de M plutôt, il vaut 0, si seulement si. Donc, alpha, elle s'écrit sous la forme exponentielle. Moins 2i pi fois k sur n avec donc k appartient à donc 1 jusqu'à n. Donc pour ces valeurs de alpha, le déterminant de m il vaut 0 et le rang de m il vaut n moins 1. D'accord? Sinon, si alpha appartient à donc c privé de un, je vais dire tout simplement les racines n, alors le déterminant de m est différent de 0 et donc le rang de m c'est exactement n. D'accord?
Des questions avant de passer? Donc, juste collection, les mertoumes à la R, donc j'ai pas fait attention, donc je vais le corriger. Ok. Des questions avant de passer à 20 monde? Alors, vous êtes là? Je vais passer maintenant au dernier exercice. On voulait calculer le déterminant de Van der Mond. C'est un déterminant classique que vous devez savoir. Et vous pouvez à chaque fois où vous rencontrez ceci, vous pouvez utiliser le résultat directement, sauf s'il le demande. Sauf s'il le demande. D'accord? Ben, je vais prendre donc n en entier, supérieur ou égal à 2. Et je vais considérer A1 jusqu'à N des réels ou des complexes. Donc je vais noter le déterminant de Van der Mond. Oh, c'est le déterminant de taille N, donc qui contient N lignes, où les coefficients de la matrice, c'est le déterminant de la matrice dont les coefficients sont AI puissance G moins 1. Donc la matrice de Van der Mond, c'est la matrice qui contient les coefficients qui s'écrivent donc AI. Donc c'est AI puissance G moins 1. D'accord? Donc dans la première ligne, donc ça correspond à I égale à 1, elle contient donc A1 puissance 0, donc c'est 1. Ensuite A1 puissance 1 jusqu'à, donc plutôt c'est une ligne, jusqu'à AN. Plutôt A1 puissance N moins 1. Elle est la première ligne. Donc la deuxième ligne, éventuellement, elle va contenir des puissances de A2. La troisième ligne, des puissances de A3, et ainsi de suite. D'accord? Donc elle est, ça s'appelle la matrice de Van der Mond. Et comment la matrice de Van der Mond, sont les angles qu'il faut faire. En fait, les angles qu'il faut faire, la plus grande puissance qui apparaît dans la matrice. La plus grande puissance qui apparaît dans la matrice, c'est la taille de la matrice moins 1. D'accord? Si j'ai une matrice de taille n, voilà, j'ai n coefficients là, donc la plus grande puissance, ça sera n moins 1. D'accord? Mais je vais calculer ce déterminant-là. Comment on va le calculer? Ou là, plutôt, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer, au fait, ce déterminant-là, ce sera tout simplement le produit de tous les aj moins ai avec j et est toujours supérieur ou égal à i, où i et j sont entre 1 et n. D'accord? Mais avant de calculer, ou avant de montrer ce résultat, je vais juste expliquer le produit y a des échelons. Le produit des aj moins i pour i supérieur ou égal à 1, i inférieur strictement à j inférieur ou égal à n, en fait, c'est le produit sur les i qui varie de 1 jusqu'à n des produits des j qui sont supérieurs strictement à i inférieur ou égal à n. D'accord? De i, j moins i. OK? Mais, autre chose, alors je vais vous donner un exemple, en fait, pour mieux voir les choses. Si je veux expliciter le produit des i inférieur ou égal à 1, inférieur strictement à j, inférieur ou égal, disons, à 3. D'accord? De AJ moins I. Ce produit-là, au fait, c'est égal à quoi? Donc, je vais prendre I égale à 1. Donc, si I égale à 1, J, donc, il varie entre 2 et 3. Donc, ça sera donc le produit de A2 moins 1 fois le produit de A3 moins A1. Ensuite, je passe à I égale à 2. Pour I égale à 2, donc, J, il est entre 3 et 3. Donc, il a un seul choix, donc, fois. Donc A3 moins A2. D'accord? Si maintenant je veux calculer le produit, et là le i il ne peut pas atteindre 3, car il est toujours inférieur strict au moins 3. Si je veux calculer maintenant le produit V avec j inférieur ou égal à 4, donc de AJ moins AI, ça sera quoi? Donc ça sera tout simplement
Donc, c'est A2 moins 1. Donc, je prends I égale à 1 fois A3 moins A1 fois, qu'est-ce que je vais ajouter? Le 4 maintenant, moins 1 fois, je passe à I égale à 2. Donc, c'est A3 moins A2 fois A4 moins A2 fois, finalement, qu'est-ce qui reste? Donc, pour I égale à 4, I égale à 3. Donc, un des juste un seul choix, A4 moins A3. Est-ce que vous voyez où l'est? Et finalement, je déduis au fait, non, ce produit-là, c'est au fait, c'est le produit des i supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à j, inférieur ou égal à 3, de ai, plutôt aj moins ai, multiplié par donc, le produit. Plutôt, je vais l'écrire à la main explicitement, fois A4 moins A1, A4 moins A2, fois A4 moins A3. D'accord? Est-ce que vous voyez? Oui, non, vous êtes encore là. Oui, monsieur. Je suis enfin tôt chez Arlène. مشوار حبا شنو هي المشوار على الكتيبة ولا البرودوي مشوار باش نعطيكم حاجة أخرى باش تفهموا بها خاطر اون فوا فهمتوا البرودوي الباقي جو بو افونسي رابيدمون كي نعطيكم أنا لا سوم de i égale à 1 jusqu'à n de ai. Cette somme-là, finalement, c'est quoi? Bon, je peux dire que c'est a1. Je vais faire varier le i entre 1 jusqu'à n et juste 1. Donc, c'est a1 plus a2 plus jusqu'à n. Mais, qui me donne la qui est produit. Produit de i égale à 1 jusqu'à n de ai. C'est quoi? Donc, c'est A1 fois A2 fois jusqu'à A1. D'accord? Ben. Donc, qui n'a dit? La somme des i allant de 1 jusqu'à n de la somme du j allant de 1 jusqu'à n, disons de aij, ou la de aj, ou la ai, je vais mettre ai moins aj. Comment je peux développer cette somme? Je vais te cette somme. Et puis je vais te au fait. Donc, je vais faire varier le i mais a à tel n. Si je prends i égale à 1, si je prends i égale à 1, donc pour i égale à 1, je commence par i égale à 1. Je vois Andy, c'est la somme de j allant de 1 jusqu'à n de a1 moins aj. Donc, je vais aller Andy avec a1 moins a1. Plus A1 moins A2, plus A1 moins AN. Je mets un plus et je passe à I égale à 2. Et ainsi de suite. D'accord? Ok? Mais, donc, on écrit la somme de I supérieur ou égal à 1. Il est j supérieur strictement à i inférieur ou égal à n de a j moins ai. Cette somme-là, elle est égale à quoi? Donc je commence. Je prends i égale à 1. Et quand on a i égale à 1, donc le j, il varie mnil. Donc i égale à 1, donc j, il est supérieur strictement à 1, donc il est supérieur ou égal à 2, et inférieur ou égal à n. Donc somme, c'est a2.
moins A1, plus V pour J égale à 2. Ensuite, pour J égale à 3, c'est A3 moins A1, plus, jusqu'à AN moins A1. AV pour I égale à 1. Ensuite, je passe maintenant à I égale à 2. Pour I égale à 2, le J, il varie entre 3 et N. D'accord? Donc, l'année, je vais mettre un grand plus. Donc, toi, je commence à 3 moins à 2, plus à 4 moins à 2, plus, jusqu'à AN moins à 2. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, je place le plus. Je place le plus. Juste mettez un fois. Donc, je place le plus. Ça, je mets le produit. Donc, si je mets le produit, je n'en peux pas les sommes dans mon colonne, je des produits. D'accord? Est-ce que vous voyez, t'as le produit, c'est quoi? Oui, ouais. Ok. Juste, t'as l'option d'aller le diapo. Fait diapo, je rendis. Donc, le produit, c'est le produit sur les i, au fait. Variant de A jusqu'à N, c'est inférieur strict à N, ça ne peut pas atteindre N, le I, des produits sur les J qui sont supérieurs strictement à I, inférieur ou égal à N de AJ moins I. D'accord? Ben, donc, ok, le produit dans l'extension, l'année est juste à notre pas. Produit des pichatlali, au fait, ou bidou, c'est le produit des I supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à J, inférieur ou égal à N. Ou là, plutôt l'axe, les séparer, kiff kiff. Et là, je sépare le premier pas, ou là, je sépare le dernier pas. Donc, j'ai choisi l'un de séparer le premier pas. J'isole lorsque i égale à 1, i égale à 1, je m'en fie le produit des j qui sont entre 2 jusqu'à n plus 1 de aj moins a1, l'yomadon, fois le reste des facteurs. D'accord? Ben, t'as l'option, j'en ai ce déterminant-là. Qu'est-ce que je vais dire? En je remarque que si les AI ne sont pas distants 2 à 2, alors le produit, le déterminant il sera nul. Allez, ce déterminant-là, avec une fille, deux coefficients qui sont égaux, disons A1 ou A2, ils sont égaux. Avec un rendu A1 ou A2, ils sont égaux. Donc, je vois les rendus ligne 1 ou ligne 2, elles sont égales. Avec je vois les rendus indéterminants. Phi de ligne qui se répète. Donc c'est un déterminant. Madame phi de ligne qui se répète. Donc le rang de la matrice n'est pas maximal. Donc la matrice n'est pas inversible. Donc le déterminant est nul. D'accord? Donc dès que l'un des coefficients, dès que ça existe deux coefficients qui sont égaux, donc le déterminant pchatla est nul. Okay? Donc le cas avec Ertartman. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais supposer maintenant que tous les AI sont distants 2 à 2. Okay? Le cas avait simple. Je suppose maintenant que les AI sont distants 2 à 2. On va montrer au fait le résultat. On va montrer le résultat par récurrence. Mais juste, ça existe deux coefficients qui sont égaux. Si ça existe deux coefficients qui sont égaux, disons A1 ou A2. Ça existe deux coefficients qui sont égaux. Donc le produit est au fait, je trouve quelque part à A2 moins A1. Puisque A2 égale à 1, donc chartine A2 moins A égale à 0. Donc on a un produit que je vais multiplier, ou la dérivée que je vais multiplier finalement par 0. Donc, je vais les nuls. Donc, la formule AD reste valable jusqu'à ce qu'il y ait des coefficients qui sont égaux. D'accord? Je suppose maintenant que les AI sont distants 2 à 2. Je vais montrer le résultat par récurrence sur N. Donc, les premiers pas. Donc, forme de méthode, au fait, où la méthode est la première méthode ou deuxième méthode, ils diffèrent juste l'étape de la récurrence. Donc, pour n, j'avais fait juste n égale à 2. Ah, je suppose déjà que n est supérieur à 2. Mais pour n égale à 2, donc si je prends deux coefficients quelconques, a1 ou a2, qui sont distincts, donc le déterminant de Van der Monde V2 de a1 à a2, c'est le déterminant, il est 38, donc qui est ma femme avec un des deux coefficients, donc il y aura une matrice de taille 2. La taille c'est 2, donc la plus grande puissance qui va apparaître c'est n moins, c'est 2 moins 1, donc c'est 1. Donc juste, je vais me compter, je vais juste la puissance 1. Je me contente juste de la puissance 1, d'accord? Donc je vais aller à des puissance 0, puissance 1, première ligne de A1, et la puissance 0, puissance 1 de A2. Ce déterminant-là, si je calcule, ça donne 1 fois A2 moins
1 fois A, les hauts c'est A2 moins 1. Les hauts, en fait, je m'expose le produit sur les J et I, avec J est supérieur strictement à I, I supérieur ou égal à 1, où J c'est inférieur ou égal à D, A2. Puis à Zoom, le I, déjà, il n'a qu'un seul choix, c'est d'être égal à 1, où J, un de un seul choix, c'est d'être égal à 2. Quand J il est supérieur strictement à 1 ou inférieur ou égal à 2, où I il est supérieur ou égal à 1 ou inférieur strictement à 2. Donc, il faut juste deux choix. Donc, J égale à 2 ou I égale à 1. Donc, ça me donne ceci. D'accord? Maintenant, je vais prendre un n qui est supérieur ou égal à 2. Je vais supposer, non, quel que soit 1 jusqu'à n, pour tous les coefficients qui sont distincts de 2 à 2. Si je prends n coefficients distincts de 2 à 2, je vais supposer, non, le déterminant de Van der Montes est égal à ce produit-là. Maintenant, je vais prendre des coefficients à 1 jusqu'à n plus 1. Je vais prendre n plus 1 coefficients qui sont distincts de 2 à 2. Donc, le produit, le déterminant de Van der Montes de ces coefficients-là, associés à ces coefficients, c'est le déterminant de la matrice, cette fois-ci de taille n plus 1, puisque c'est de taille n plus 1, donc la plus grande puissance qui va apparaître, c'est n, qui contient la première ligne et la puissance, les puissances de A1, la deuxième ligne, les puissances de AN, ainsi de suite. La dernière ligne, ça contient les puissances de AN plus 1. D'accord? Ce déterminant-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais effectuer les opérations suivantes. Donc, Li, je vais y mettre Li moins L1. Donc, à chaque fois, je vais retrancher la première ligne de la ième ligne. Donc, il y a des ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1, ligne 4 moins ligne 1, et ainsi de suite. Si j'effectue ces opérations-là, je vais dérouler des zéros là. Donc, l'hydraulique des zéros là, donc je peux développer par rapport à cette colonne-là. D'accord? Ou à chaque fois, je suis obligé de relier les tabac, je vois, donc A2 moins 1, ensuite A3 moins 1, jusqu'à N moins 1, la colonne a dit. La colonne li pas dit, je suis A2 carré moins 1 carré, A3 carré moins 1 carré, ainsi de suite. Donc, femme à l'année des puissances carrées, ou l'année femme à des puissances n. La colonne les relie beaucoup, je suis donc A2 puissance N moins puissance N. Puis, il y a n plus 1 moins puissance n moins 1 puissance n. D'accord? Ensuite, je développe maintenant par rapport à cette colonne-là. Ou là, plutôt, avant de développer, apparemment, on va effectuer une opération. C'est quoi? Donc, on effectue successivement les opérations. Donc, CJ moins, je vais y mettre CJ moins A1 CJ moins 1 pour J égale à n plus 1 jusqu'à 2. Donc, je suis en fait, je n'ai pas de ligne, le col, mais le colonne plutôt le crâne, le col, colonne à dire, ou je n'ai pas de à 1 fois la colonne précédente. Ensuite, cette colonne, on a pas de à 1 fois la colonne précédente et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que tu as bon fait, Ola? Monsieur, Oui. عندي سؤال، اي يعني نجم في نفس الماتريس اي نعمل موديفيكاسيون على لي ليني وعلى لي كولون في هذا الوقت؟ اش معناها في هذا الوقت؟ ما او ميم طون تو في انا لا او ميم طون لا او ميم طون لا او ميم كيما طون لا الاوبيراسيون معناتها على ال اي ولات ال اي موان ال 1 ومن بعد عملنا كولون جي égale à colonne J moins Justement, les amis, comme ces calculs-là, les calculs, les amis, une fois que je peux faire des opérations à l'école. Mais je ne peux pas faire en même temps, l'étape de calcul, mais je fais en même temps opération à la ligne 1 ou opération à la colonne 1 en même temps. Vous voyez, en même temps, étape de calcul. D'accord? D'accord? Ben, une fois qu'on met ces opérations-là sur les lignes, donc je vais faire des opérations sur les colonnes. Les opérations sur les colonnes, apparemment, je dois détailler, sinon, ben, quand je te fais. Ben, mais, je n'ai pas au fait, je n'ai pas de l'écranier l'écranier je vais faire colonne n plus 1, je vais mettre colonne n plus 1, moins A1, colonne n. D'accord? Et colonne n plus 1, je dois faire. Là, je suis là. Donc, c'est puissance n.
والاخرى سي دي بويسونس ان موان 1. داكوغ باهي. دونك عندي الكولون ان موان 1 ان بلوتو ان بلوس 1 فيها A2 بويسونس ان موان A1 بويسونس ان. هذه هي لا كولون، سا سي A jusqu'à donc AN plus 1 puissance N moins A1 puissance N. De cette colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher moins A1 fois la colonne qui fait des puissances N moins 1. Donc, l'année forme A2 puissance N moins 1 moins A1 puissance N moins 1. Jusqu'à donc R ligne fait à AN plus 1 puissance N moins 1 moins A1 puissance N moins 1. Mais je suis obligé de dire si j'effectue cette opération. Et nous sommes juste à ligne loul. Ligne loul, je suis obligé de faire. Donc on dit A2 puissance N moins A1 puissance N moins A1 fois A2 puissance N moins 1 moins le plus. Plutôt l'île A1 puissance N. Donc, il est bien sûr, au fait, je vais simplifier dans mon source. Je vais simplifier, au fait, tu peux écrire que ceci, c'est égal à A2 puissance N moins 1 multiplié par A2 moins A1. D'accord? Donc, la colonne est finalement, je vais simplifier, la colonne, le résultat, je vais simplifier, A2 puissance N moins 1 donc puissance n moins 1 fois A2 moins A1 jusqu'à donc AN plus 1 puissance n moins 1 fois AN moins A1. D'accord? Et bien, quand on les jumeaux, je fais la nation active, la nation atteinte, je sortis exactement ce résultat-là. D'accord? Ben, une fois que l'opération est venue, l'opération je vais modifier la colonne n, je vais mettre colonne n moins 1, colonne n moins 1. La colonne n, je vais faire. Est-ce que je trouve le résultat? La colonne n, au fait, هي بيدها الكولون نفس الحكايه باش نعاودو نعملوها. الكولون ان شنو فيها؟ فيها او فيت A2 بويسونس ان موانز 1 موان A1 بويسونس ان موانز 1 جوسكا AN بويسونس ان بلوس 1 بلوتو هي موان A1 بويسونس ان موانز 1. داكوغ؟ هذه باش نحي منها او فيت نفس الحكايه نتاع الكالكول نفس الشيء موان A1 فوا جوست الكولون اللي قبل ان الكولون تو ندير ان la colonne un message non. La colonne les qbala fait donc A2 puissance n moins 2 moins A1 puissance n moins 2 jusqu'à donc AN plus 1 puissance n moins 2 moins A1 puissance n moins 2. Si j'effectue le calcul, au fait qu'un truc de choix est juste non le faire binet les l'année quinte puissance n je dois lire les n moins 1, on a même les quintes puissances n moins 1, je dois lire les puissances n moins 2. Donc, je vais vous dire que je juste la puissance n moins 1, je dois lire les n moins 2. Donc, le résultat, je vais vous dire que je vais A puissance n moins 2 fois A2 moins A1 jusqu'à A puissance A1, c'est AN plus 1, c'est A1. N moins 2 fois AN plus 1 moins A1. Dès qu'on commence les opérations, donc on commence la ligne n, on traite la colonne plutôt, la colonne n, on traite la colonne n moins 1, ensuite on traite la colonne n moins 2, et ainsi de suite. Ou à chaque fois, je crois que je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, A2 moins A1, jusqu'à AN plus 1 moins A1. Donc, les colonnes ils vont être multipliées par A puissance J, ou à dire AN plus 1, avec J ou l'indice de la colonne. D'accord? Quand je chauffe le résultat, finalement, je suis en donc, si j'effectue ces opérations-là, les opérations à vous remarquez l'ordre, ça compte. Je dois commencer par N plus 1, bat N, bat N moins 2, N moins 1, bat N moins 2, N moins 3, jusqu'à arriver à la colonne 2.
D'accord? Une fois que j'effectue ces opérations-là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vois les rendus à l'âge, donc, en fait. Il fait juste A1. C'est-à-dire, juste le marque rapide, A1 puissance n, ou l'année A1 puissance n moins 1. Donc, je n'ai pas la colonne ici, moins A1 fois la colonne ici. Donc, je suis A1 puissance n, moins A1 puissance n moins 1 fois A1. Donc, je suis 0. Chaque fois, je suis dans des 0 là. D'accord? Donc, une fois que j'effectue ce calcul, je vois les rendus déterminants, en fait, il est égal à ce déterminant-là. D'accord? Les filles, l'année des 0, l'année des 0. Je vais développer, au fait, je peux développer rapidement, au fait, par rapport à cette ligne-là. J'attends les 1 fois le déterminant de cette sous-matrice-là. Je remarque une sous-matrice, c'est-à-dire, la première ligne, on dit un coefficient qui se répète, les A2 moins A1. Donc, je fais sortir ce coefficient là. Une fois je veux A2 au carré et ainsi de suite jusqu'à A2 puissance n moins 1. Donc j'ai pris les lignées dit, en fait. Juste lignées. D'accord? Fais les lignées barres, je fais sortir A3 moins 1, barre A4 moins 1, et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne, je fais sortir le AN moins 1, c'est un coefficient commun. J'ai pris les calades. Donc là, si maintenant un peu qui est développé, si aussi j'avais dit que je vais développer. Je peux développer la NEC si je ne développe pas l'état verbal. Donc, j'ai pris juste un déterminant AD. Donc, le produit de ces coefficients-là fois ce déterminant-là. Ben, le déterminant AD, au fait, c'est un déterminant de taille n. Au fil, une puissance maximale n moins 1. Au fil, le coefficient A2 jusqu'à n, c'est van der Monde à la. À van der Monde à n coefficient, il est home à 2 jusqu'à n, à n l'année, à n, ici c'est, j'avais fait des fautes, au fait, fait voir l'état, puis fait le, normalement l'année c'est à n plus 1, d'accord, normalement l'année c'est à n plus 1, d'accord, juste, l'écriture, flexible. Ok, donc il y a en principe c'est un n plus 1. Ici aussi c'est un n plus 1. Donc je là, au fait, dans mon colonne à n plus 1. Je là, finalement, le déterminant avec c'est à 2 moins 1 jusqu'à n moins 1. N plus 2 plus 2 plus 1 plutôt moins 1. Fois Vn de A2 jusqu'à n plus 1 encore, c'est plus 1. Ou réveil, c'est de taille n. Donc je sais le calculer. Je là, voilà, c'est le produit de AG moins 1 fois le produit de AG moins 1 avec I, il est supérieur ou égal à 2. Et le J, il est inférieur ou égal à N plus 1, où J, c'est toujours supérieur à I. D'accord? Ou le produit AD fois ce produit-là, ça me donne exactement le résultat. D'accord? OK? OK, tout le monde? Je sais peut-être que c'est un peu compliqué. Vous devez refaire ceci. La méthode finie peut-être aller à la barre, ma fiche, ces développements-là. Méthode finie, ça consiste à quoi? Ok, je veux montrer nos. Je vais montrer ce déterminant-là, puis je vais exactement ces produits-là. Méthode finie consiste à quoi? Au fait, je change l'indice, les ON plus 1, je me bats le X. Je vais noter P de X, ce déterminant-là. P de X, c'est quoi? C'est van der Monde avec juste cette dernière ligne, un des puissances de X. Donc, si je développe par rapport à la dernière ligne, si je développe par rapport à la première ligne, développement, je chartine à chaque fois le déterminant P de X, déterminant de cette matrice, c'est la somme de moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1 plus j fois le coefficient les coefficients de fois des déterminants obtenus en supprimant la dernière ligne et à chaque fois je vais supprimer une colonne. Mais, en tout cas, à chaque fois c'est la somme de xi fois quelque chose, xi fois quelque chose. Donc, un polynôme. Le polynôme,
أكبر، اسكو فو تبعوا فيه ولا؟ اي فوايي البرانسيب ولا؟ دونك باش يطلع لي ان بولينوم، والبولينوم هذايا أكبر بيسونس فيه هي إكس إن، أكبر بيسونس هي إكس إن، الكوفيسيون توا دو إكس إن سي كوا؟ كوفيسيون دو إكس إن نورمالمون سي موانز أن بويسونس، دونك les indices de ce coefficient-là. Juste remarquer que le coefficient AD est toujours présent dans la ligne n plus 1 ou la colonne n plus 1. Donc, on dit moins 1 puissance n plus 1 plus n plus 1. Donc, c'est 2 fois n plus 1, qui est pair. Donc, je vais mettre les plus. OK? Donc, fama xn fois moins 1 puissance un nombre pair, qui est plus. Donc, je vais mettre les xn fois un déterminant obtenu en supprimant cette ligne-là. La dernière ligne et la dernière colonne. Et si je supprime la dernière ligne et la dernière colonne, qu'est-ce qui va rester? Il va rester tout simplement une matrice de taille n. Faire akbar puissance, c'est la n. Thama a 1 puissance n moins 1, a 2 puissance n moins 1, jusqu'à a n puissance n moins 1. Donc le déterminant le plus grand de la n, ou c'est le déterminant de Van der Monde d'ordre n, qui est associé au coefficient a 1 jusqu'à n. D'accord? Donc, P de X, c'est un polynôme de degré au plus n, puissance phi n, où le coefficient dominant, ou le coefficient dominant, c'est ce déterminant-là. De plus, le A1 jusqu'à n sont les racines de P. Allez, ce sont les racines de P. À la khater, tout à l'heure, je vais le P, vous remplacez X par 1 de ces AI, si je remplace par 1, je vois les rendus une, la première ligne, elle se répète la dernière ligne. Donc, je vois les déterminants nuls. Si je remplace x par A2, je vois les deuxièmes lignes, elle se répète la dernière ligne. Donc, je vois les matrices rendues lignes qui se répètent deux fois, donc marche inversible, donc déterminant nul. Donc, à chaque fois où je remplace x par 1 de CAI, je sortis 0. Le nombre de CAI, c'est combien? C'est n, à un distant 2 à 2. Ou le polynôme est un arbre de degré inférieur ou égal à n, un de n racine distante, donc c'est exactement de degré n. C'est exactement de degré n. On a le coefficient dominant de donc finalement, P de x, c'est le polynôme, le déterminant de Van der Monde à l'ordre n, fois les monomes, les racines, fois x moins 1, fois x moins 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tu as l'autre polynôme. Madame, tu as l'autre polynôme, je suis dit, donc, je n'ai pas de n plus 1. Ou tout simplement, il suffit juste de remplacer x par a n plus 1. Donc, j'ai atteint finalement le résultat encore une autre fois. D'accord? Les autres, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. Donc, normalement, on commence le chapitre. Juste, on va faire le traitement comme Van der Monde. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, enregistrement.